Ah, 62 dégâts quand même. De la carte. Ce cadavre grièvement brûlé présente en outre des signes de violence, violente commotion. Au moins, l'explosion l'aura tué sur le... Ah. Ok. Ok. Et le troisième, il est à l'opposé. J'ai un autre propulseur ici. Ah, en fait, il a disparu le... Voilà, que je traverse de bout en bout. Je sauvegarde, parce qu'à un moment, j'ai tombé sur les mines, donc c'est chiant. Ah, c'est ça le champ de mine. Avertissement. Le radar pénétrant GPS détecte des charges anti-véhicules à proximité. Il est recommandé de continuer à... Continue à pied, hein, on va écouter l'IV. Redéploiement. Ça va, c'est pas trop aigu comme bruit. Okay.
rechargement. Ok, c'est cool. Bon. Je suis à point comme je les aime. Des amorcés de charge. Ouais, tout tranquille. Ok. Je vais activer le deuxième. C'est pas la peine de ranger les armes, hein. Ah, le succès du sabotage, voilà. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Ok. Ce déplacement latéral. De surcharge, bah, je peux attaquer avec ah oui d'accord, on bloque combien de temps avec ça hein? C'est clair? Dépêchez-vous. Vous les avez seulement mis en rogne. Leur chef est en train de poser des charges partout. J'ai l'impression qu'il veut faire sauter la station. Arrête ça tout de suite! Ne tirez pas! Je me rends! Ah.
À qui parlez-vous, ma chère? Je ne me répéterai pas. Trouve les intrus et occupe-t'en. Qu'on la sorte d'ici. Ok. Il va pas vivre longtemps celui-là. Bon. Et de deux propulseurs. Et... Propulseur fusion et ça c'est la liste 2. Une couche de WC là. Je peux avoir une nouvelle premier secours. Ouais. Atténuation. Est-ce qu'il y a un succès pour atténuation? Ah. Parce que du coup, autant le faire tout de suite, non? Ah, sauf que ça va qui se mette comme je voudrais. Merci. La gestion des succès. Et... Enfin, le launcher en lui-même déjà de base. Hein. Alors, elle est où la liste? Voilà. Lévitation, projection, singularité, barrière, stase, amortissement, choc neuronal et piratage d'IA. Bon, bah, il n'y a pas d'atténuation. Dommage. Ils ont fait que certains sorts, je pense qu'ils sont peut-être caractéristiques de certaines classes, malheureusement. Donc, comme ça, il faut faire toutes les classes. Ah, mais c'est super! Ok. Hop. Je vais déjà sauvegarder, je sais plus. Pas doute.
Bon, il y en a d'autres. Et là. Et un troisième, c'est vrai. Nettoyé. Cinématique cette fois-ci. Ok, bon bah les trois réacteurs sont coupés. Pas un geste. Faut encore éviter le bain de sang. Sauvegardez. Non. C'est pas le chef, visiblement. N'approchez pas. On peut régler ça par les armes ou pacifiquement. Tiens, vous connaissez ce mot. Je n'aurais pas cru. Écoutez, je n'ai jamais demandé à détourner ce caillou. Je me suis enrôlé pour me faire un peu d'argent, prendre quelques esclaves, c'est... On a dépassé ce cap. Maintenant, des millions de gens vont mourir à cause de vous. Vous croyez que je n'ai pas remarqué? Je ne fais que suivre les ordres. Si c'était à moi de décider, on serait déjà parti. Eh bien, qu'est-ce que vous attendez? Personne ne vous en empêche. Vous n'y pensez pas. Si je faisais ça, Balak me ferait la peau. Littéralement. Ce pauvre taré. Il fait foirer toute la mission et c'est moi qui vais trinquer. À quoi bon suivre ses ordres, alors? Bonne question. Dès qu'on a atterri, je savais que ça allait mal tourner. Maintenant, Balak veut votre mort. Et Balak obtient toujours ce qu'il veut. Ça, je ne peux rien y faire. Ça vous plaît tant que ça d'être l'éternel second? Sortez-moi de là, et Balak, j'en fais mon affaire. Le commandement vous reviendra. C'est... proposition intéressante. Ça ne peut qu'améliorer la situation, effectivement. C'est bon, messieurs. On va laisser Balak se dépêtrer avec lui. J'espère, pour vous et moi, que vous êtes aussi rapide à dégainer qu'à faire des promesses. Balak va lâcher la rampe, et vous aussi, si jamais je vous revois en territoire humain. On se comprend? On se comprend. Balak se terre dans le bâtiment principal. Vous allez avoir besoin de ceci pour entrer. Ne le sous-estimez pas. C'est un beau vislard. Allons-y, on quitte ce caillou. Ok. Je sais pas s'il y a encore quelques gardes avec lui, hein, ou si ça finira avec un 1 contre 1. Enfin non, 1 contre 3, quand même. Oubliez mes coéquipiers. Attends, je vais voir le troisième ingénieur. Le corps d'ingénieur, parce que les corps du coup. D'abord, par là. Voilà. Elle est vraiment au bord là pour le coup.
Les transmissions sont coupées, les transporteurs non immatriculés ont atterri à proximité du bâtiment principal. J'ai aussi vu des éclairs de lumière à l'horizon. Ma main a coupé que ce sont des tirs d'armes lourdes. En application du protocole d'urgence, je vais activer les drones de défense. Pas question d'attendre mon évacuation, je veux pas avoir... C'est dégagé. J'ai pas encore eu le temps de... Bah si. Ah. Je comprends pas. Il manque un corps. Oh. Un traître. Ou j'ai roulé dessus. Non. Empreintes, examiner. Des vagues empreintes de pas dans la poussière se dirigent vers l'est. J'ai pas de... d'indication. Le Mako est tourné vers quel sens? Vers le nord. Là c'est le nord. Vers l'est. Mais est-ce que je vais trouver un corps comme ça? Bah je vais y aller le long. Hein. Ce sera plus simple. Alors, si je dois voir un pixel. Ah, bah il est là. Sa mort est apparemment due à un tir qui a transféré. C'est son casque, sans doute l'œuvre d'un sniper. Le meurtrier n'a même pas jugé bon de fouiller les cadavres sont nécessaires quand il y a encore de l'équipement. Ouf. Journal. Ok. Ingénieur disparu. Bon bah on va aller vers le site principal, hein, toujours là. Je déclenche pas. Oh là là, qu'est-ce qu'il se fout. Cela c'est mieux. Ok. Ah tiens. Faudrait que je lance jamais les gobelins. Ah si, y'a des gobelins, enfin, c'était avec lui. C'est que des drones. Attention! Y'a des drones. Intéressant.
Bouclier inactif. Ah. Je l'ai contourné, je l'avais pas vu. Et en plus ça surcharge. Donc ils en profitent pas, tant mieux. Sans déconner, je vais pas marquer. À couvert! Du bouclier, surtout, juste moi aussi. Ok. Je voyais des têtes humaines depuis tout à l'heure, mais. Ok. La future cinématique, j'imagine. Non, pas avec ça. Ça sert à rien. Quoi qu'il y ait un plan. Tout pour me compliquer les choses. Libérez les otages et vous vivrez peut-être assez longtemps pour répondre de vos actes devant le Conseil. Mes actes ne regardent pas le Conseil, ni vous d'ailleurs. Je vais quitter cet astéroïde. Si vous essayez de m'en empêcher, je fais sauter ses charges et tous vos amis avec. Après ce qui s'est passé ici, je ne peux pas vous laisser partir, Balak. C'est rien tout ça! Les humains ont fait 100 fois pire au Butarien! Vous nous avez forcés à l'exode. À vivre au crochet de la galaxie. C'est ça notre quotidien, depuis des décennies. Quand bien même, qu'est-ce que ces malheureux ont à voir avec tout ça? Ils n'ont jamais fait de tort aux Butariens. Vous trouvez? Alors comment qualifiez-vous le fait de coloniser et d'exploiter un monde qui nous revenait de droit? Le Conseil n'a pas levé le petit doigt, tout en sachant pertinemment que les humains étaient plus forts que nous. Tout est de votre faute! C'est votre espèce qui nous a mis dans cette situation! Et vous croyez rectifier le tir en massacrant des innocents? Il n'y avait pas d'autre solution. Il faut savoir attirer l'attention pour pouvoir s'exprimer. C'est pour ça qu'on vous a attaqué sur Elysium. C'est pour ça que je suis là. Vous nous avez forcé la main. Vous nous avez attaqué les premiers. Quand nous avons répliqué, vous êtes allé quémander de l'aide au Conseil. On vous l'a refusé. Résultat, vous avez détalé. Vous êtes seul responsable de ce qui vous arrive. Ça suffit! Vous ne pouvez pas comprendre. Ou plutôt, vous ne voulez pas comprendre. Je ne vais pas continuer à gaspiller ma salive. Revenons à nos affaires. Si vous voulez que vos amis restent en vie, vous feriez mieux de vous écarter. Je ne vais pas laisser un terroriste faire la loi. Faites ce que vous voulez des autres, mais ce sera votre dernier souvenir. Si c'est ce que vous voulez... Je vais me faire un plaisir de vous étriper. Bon. Ah, il revient. Pragmatisme. Ah. Alors,
étoiles qui ont pas plus. Oh là là là, ils ont fait ça partout. Ils ont fait ça partout. De moi par contre. C'est un bug ou... sauver et vous l'avez refusé. Qui de nous deux est le vrai terroriste, hein? On n'a rien en commun tous les deux. C'est vous qui les avez tués, vous et vous seul. Et je vais vous le faire payer. Allez-y, tuez-moi. Je ne crains pas la mort. Mais une dernière chose. D'ici peu, la race humaine va payer pour ses crimes. Vous êtes juste un taré de première que ça fait bander de tuer des humains. Arrêtez un peu avec vos histoires de croisades à la con. Croyez ce que vous voulez. Ça ne nous empêchera pas d'exterminer votre race. Les Butariens sont restés trop longtemps dans l'ombre. L'heure de la rétribution. Il y en a des milliers comme moi, tous prêts à mourir pour notre cause. Et c'est vous qu'on a choisi pour cette mission? Ça va, on est tranquille alors. Je vous aurais averti. Bientôt, vos médias ne diffuseront plus que des images de colonies en flammes. Les images de la glorieuse rébellion butarienne. Qui est votre chef? Qui tire les ficelles? J'en ai assez dit. Allez, butez-moi. Qu'on en finisse. N'y comptez pas. On va vous ramener à mes amis de l'Alliance sur Terra Nova. Vous allez bien vous entendre, j'en suis sûr. Ce n'est pas terminé. La nation butarienne attend son heure. C'est fini? Faites attention où vous mettez les pieds. Il y avait des bombes, il y en a peut-être d'autres. Je veux qu'une équipe de déminage passe cette zone au crible. Compris. Je vais ouvrir l'œil. Vous avez réussi. Un peu plus, et on dépassait le point de non-retour. J'ai fait les calculs, Shepard. X-57 allait percuter la capitale. La zone la plus densément peuplée. Mais grâce à vous, ça ne se passera pas comme ça. Vous avez trouvé Kate et son équipe? Je suis désolé, Simon. Balak avait pris Kate et les autres en otage. Il y avait une bombe dans leur cellule, et... Vous êtes sérieux, pas vrai?
Nom de Dieu! Comment en est-on arrivé là? Je croyais que vous alliez tous nous sauver. La galaxie regorge d'individus prêts à tuer un humain à la moindre occasion. Balak en faisait partie. Contre la certitude de le mettre hors d'état de nuire, 3 vies m'ont paru un prix honnête. Une partie de mon travail, c'est aussi d'endosser la responsabilité de telles décisions. Pour que votre famille dorme du sommeil du juste, j'ai accepté d'être réveillé par le visage de Kate. Bon, excusez-moi, je sens que vous êtes... Enfin, je comprends. Et cette espèce de salopard-là, ce Balak... Il va passer le restant de ses jours entre quatre murs, pas vrai? Dans un quartier de haute sécurité avec Maton Sadique et compagnie. Ce sera à la cour d'en décider. Ça, oui. Shepard, merci. Au nom de mes petits-enfants. Moi, je ne vais pas m'éterniser ici. Il y a trop de morts, trop de fantômes. Il est temps que je retourne couler des jours paisibles avec ma famille. Mais avant de partir, j'aimerais vous offrir un petit quelque chose. Vous en aurez sans doute plus besoin que moi. L'avantage d'être ingénieur en chef, c'est qu'on a un équipement de qualité. Faites votre choix. C'est le moins que je puisse faire. Je ne voudrais surtout pas abuser, mais... votre Omnitech me serait vraiment très utile. Shepard, je vous ai dit que vous aviez sauvé mes petits-enfants? Non, vous n'abusez pas. Tenez, avec tous mes remerciements. J'espère que ça vous sera utile. Encore une chose. Vous m'avez demandé de rechercher vos 3 ingénieurs disparus. Vous les avez retrouvés? Pas encore. Vous auriez une piste pour m'aider? Essayez de vous connecter à la tour de transmission en surface. Au revoir, Simon. Au revoir, Shepard. Ah, du coup, je l'ai pas dit. Et merci encore. Okay. Ok. Quête terminée. Turbulence à 900 000 pieds. Ah oui, ah bah oui, ah bah oui, il est bien. Il est pas mal son Omnitech quand même. Ok. Mise à jour. Hop, pas tu rien. Ah. Ok. Donc j'ai fait la quête et j'ai vu le succès apparaître. Et bah nickel, bah, c'est fini pour Mass Effect 1.